بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers frères, mes chères sœurs, voilà quelques questions-réponses sur le mois du Ramadan. Saison Question: d'Allah. dans laquelle des quatre saisons de l'année se situe le mois du Ramadan? Réponse: en toute saison. C'est parce que l'année lunaire est plus courte que l'année solaire. Ainsi, nous jeûnons en été, en automne, en hiver et au printemps. Question: comment les jeûneurs déterminent-ils le début du Ramadan? Réponse: avec le croissant du mois du Ramadan. Question: à partir de quel moment le jeûneur doit-il s'abstenir de manger et de boire? Réponse: dès l'aube. Question: à quel moment une personne qui jeûne peut-elle rompre son jeûne? Réponse: après le coucher du soleil. Question: quel est le nom de la nuit bénie du Ramadan? Réponse: c'est la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et on la trouve dans les nuits impaires parmi les 10 derniers jours du Ramadan. Donc dans la nuit du 21, 23, 25, 27 ou 29. Question: qui parmi les adultes a la permission de ne pas jeûner pendant le Ramadan? Réponse: le voyageur, le malade, la femme en période de règles et la femme qui vient d'accoucher. Question: quel est le nom de la prière que les musulmans font pendant les nuits du Ramadan? Réponse: c'est la prière de Tarawih. Question: combien de fois le mot Ramadan est-il mentionné dans le Coran? Réponse: une seule fois, et dans le verset 185 de Sourate Al-Baqarah. Question: combien de Ramadan le messager d'Allah a-t-il jeûné? Réponse: il a jeûné 9 Ramadans. Allah a imposé le jeûne aux musulmans la deuxième année de l'Hégire. Question: en quel mois le Coran a-t-il été descendu en un seul bloc? Réponse: pendant le Ramadan et précisément la nuit du destin, Laylatul Qadr. Question: quel est le nom du mois qui précède le mois du Ramadan? Réponse: c'est le mois de Sha'ban. Question: quel est le mois qui suit immédiatement le mois du Ramadan? Réponse: c'est le mois de Shawwal. Question: quel est le nom de la fête célébrée par les jeûneurs? Réponse: c'est Eid al-Fitr. Question: quand faut-il payer la zakat al-Fitr? Réponse: elle doit être donnée avant la salat de l'Aïd. Question: quelle est la supplication que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandée Laylatul Qadr, la nuit du destin? Réponse: il faut répéter le dua suivant: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna, qui veut dire en traduction française: ô Allah, tu es le pardon, tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.